Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Syndicate. Là, quand on observe les rues, il y a beaucoup de vie, hein. Ouais, des gens qui jonglent. Une vendeuse de glace ici. Il se passe plein de choses. Un habitant à protéger ici, vraisemblablement. On va changer de personnage tout de suite. Et on va repartir donc dans l'émission de Charles Darwin. On avait commencé. C'est parti pour Cruelle Caricature. C'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. C'est étrange. Il y en a plusieurs. Par là. Ok, non, je crois pas que je sois allé dans cet endroit. C'est une gare. Non, ça a marché cool. C'est bien joli. Pour les caricatures, c'est parti. C'est ici. Trouver l'origine de la propagande contre Darwin. Ouais. Nous ne sommes pas des singes. En d'autres circonstances, j'irai complimenter l'artiste pour sa remarquable caricature. S'il pense arrêter la marche du progrès en imprimant des tracts et en tuant des vendeurs de journaux, nous devons découvrir qui est à l'origine de cette propagande avant que d'autres innocents n'en pâtissent. Je vous souhaiterais reconnaissant de faire disparaître ces horreurs. Peut-être qu'il y a un de ces couleurs d'affiches là-bas dans le salon. Vous attendez? Une boîte à musique. Donc elle est trouvée au moins celle-là. Ce qui est bien, c'est qu'il faut garder le scan en tête quand même, parce que ça permet d'identifier l'emplacement de l'objet. Ensuite, il apparaît sur la carte. Pour les objets non trouvés, on pourra faire ça avec la carte. On ira trouver l'emplacement à peu près, puis après on scannera pour essayer de trouver l'objet précisément. C'est bourré de brutes ici. Je vais faire le plein parce que c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir vraiment peu de munitions sur moi. Ok, j'en ai que 15 avec ce personnage de couteau de lancer, c'est pas énorme, mais bon, ça passe. La zone est ici, ok, c'est là-bas. Mmh.
Pas souvent qu'on peut se permettre ça. Ah ouais? Bon, j'ai pas entendu le bruit, mais c'est pas grave. Oh, je t'ai projeté. Bon, si on est là, il n'y a plus rien ici, on a dû la trouver. Ouais, les bombes peut-être ont déchiqueté l'affiche. Là c'est facile pour faire des petits, comme si des petits véhicules pour faire demi-tour, c'est pratique. Finalement c'est... Donc on est plus malade celui-là. Je pense pas que ce soit les plus rapides. Ils n'ont pas l'air aussi rapides que les autres. Ils sont maniables. Là il y a qu'à sur le cheval donc. Merde c'est sur le. Non non non. Ah non, faut que je poursuive. Non. Ah, je fais une mauvaise manip. Allez, retente. Non! Non! Hop là! Tout pratique! Ralenti! Non, ça marche pas. J'aime mieux conduire ce genre de véhicule. J'adore traverser ces grands ponts là, c'est vraiment un cliché ça. Ces immenses ponts là, hyper larges avec tous les véhicules à cheval qui passent là. Entre les deux quartiers d'usine, c'est... ou les quartiers d'habitation là, d'usine là, c'est vraiment un bon cliché du 19e siècle. Je vais pas le poursuivre comme ça, je vais le zigouiller si je fais ça. Ah, il court vite le salaud par contre. On va nous emmener encore dans un coin précis. On dirait la même cinématique que celle qu'on avait fait dans le dernier épisode. Cours vite! Ok. On avait déjà dû rentrer par là une fois pour trouver un coffre, me semble-t-il. Hein. Ah, il y a un bouton. Ok, ça aide. Donc il n'y a qu'un sens à suivre. Hein. Je sais même pas comment il a pu passer là vu qu'il y avait deux salauds là. On peut pas tirer dessus visiblement. Voilà, voilà, ça aide. Hein.
Voilà. Pourquoi faire les choses délicatement quand on peut bourriner? On dirait qu'il fabriquait les caricatures là-dedans. Ouais. Tu as buté simultanément toutes les presses, ah, il aurait fallu faire trouver tout sous la bonne bombe pour se faire un système avec les bombes, genre les mettre en chaîne ou un truc comme ça. J'ai pas vu ça. On aurait pu s'amuser, mais bon, tant pis. Bon bah comme à l'habitude maintenant on va se contenter de ramasser des choses. Vol de cargaison, ouais. Course exotique, celle-ci elle est faite. Ça c'est fait, tant mieux. Ouais, on est plus dans une zone où il y a grand chose à faire ici, hein. Tout est collecté à part les objets, mais ça bon faudra chercher sur internet pour les trouver, au moins les emplacements. Là on a tout, là c'est nickel. Donc là on n'a pas tout, mais c'est en bonne voie. Et là on n'a pas tout là. Bon, c'est un quartier qui fait toute la longueur de la Tamise, donc il faut trouver les objets qui nous manquent. Ouais, on a vraiment pas tout, là. Donc, on pourrait aller ici, par exemple. Ouais, ce personnage-là, il bourrine quand même, hein, au combat, hein. C'est une brute notre personnage. Nickel, un véhicule. Ce quartier là il a été correctement exploré, donc on va le quitter. Ouais, c'est plus sympa de se déplacer que de se téléporter, hein. Quand se téléporter, faut attendre à rien faire. C'est peut-être un petit peu plus long, mais c'est quand même plus plaisant. Je vais m'arrêter avant pour faire le plein de munitions, quand même. Allez, laisse-moi t'acheter. Oh, qu'il est con comme un manche. Oh, c'est pas vrai. Que celui-là il sera moins con que le précédent. Ouais. Je suis sûr que ça vous sera très utile. Ouais, foutu, on prend l'autre. Là c'est le train qui passe là-bas. Alors ça va être subtil. Il faut trouver le bon moyen de passer. Ok. Nickel, non, ça, c'est pas trop compliqué. Il y en a partout des machins là-dedans. Oh là là, bon, allez, on va aller choper ce qu'il y a ici. Let's go.
Escort, bon, on a déjà fait ça maintenant. C'est des chariots, c'est des pareil. Ouais, c'est bon. Ah, on avance là. Oh non, on avance pas. C'est le bateau qui a avancé qui m'a fait cette impression. Oh, j'ai l'impression qu'on avance. C'est drôle, ça doit être l'eau qui bouge qui me fait cet effet. Un coffre. On oublie tout de suite cette idée, on va essayer de viser l'autre cheminée. Ouais. Voilà un peu plus de hauteur. Un magnifique palais là, le palais royal là, qui s'intéresse. C'est pas ça peut-être. Oh si, ça peut être que ça. Ouais, celui-là on va pouvoir aller un peu le fouiner, il y a quelques trucs autour. Hein. Bon, nous on est ici. On va faire ce qu'il y a de plus proche. Ça sert à rien de faire des grandes distances après les petites à proximité. Un coffre ici.
pense souvent au prochain Assassin's Creed qu'on va se faire, mais c'est dans un petit moment quand même. Et c'est vrai que ça va faire un sacré beau changement d'époque, hein. Enfin, là, ça va être vraiment très différent, quoi. On va passer dans un tout autre monde. Ça va faire drôle, je pense. Surtout que là, finalement, on va y passer du temps sur ce jeu, hein. On a encore pas encore fini, et là... on est pas prêt de le finir, visiblement. Au niveau des items, bon, ça va, ça avance, hein, quand même, hein, mais... au niveau des missions, il nous en reste encore un paquet à faire. Mais bon, je regrette pas de faire, voilà, une mission, et puis ensuite de ramasser les items, parce que... on va pas s'en sortir, sinon ça va être trop chiant. Au moins, on pourra pas dire qu'on a pas découvert Londres. Ouh, il y a des balles là. Illustration. Bon, on va déballer ce secteur, hein. On est go. Là. Voilà, un coffre de champ. Ils ont dû quand même bien s'embêter pour les décors, hein, parce que vraiment tout est bien pensé, tube détail au petit recoin près, hein, il y a vraiment un sacré boulot. Hein. C'est le cas dans tous les Assassin's Creed, hein, mais là c'est quand même bien poussé, quoi. J'imagine qu'il y a certains bâtiments qui doivent se répéter, mais quand même, il y a une belle diversité, hein, malgré tout. Même si après on retrouve un peu toujours le même style, quand même. Enfin, on fait le tour, hein, au bout d'un moment, quand même. Hein. Ça tend à se répéter un peu quand même, mais bon, c'est quand même assez ouf. Yeah.
wonder if anyone's been killed. You don't understand. Ah, il doit être là l'item alors. Non, il est pas là. Non, où est-ce qu'il est? Je vois pas, il y a tout là-haut. Voilà. Très facile à monter maintenant, hein. Et voilà. Alors là, me demandez pas comment on chope ça, je sais pas. Il est perché, hyper loin, peut-être comme ça. Ouais. Voilà, c'était pas si dur en fait. Une belle petite baraque là, qui est toute seule. Bon, c'est des anciens coins abrupts. Là maintenant, ça sent plus à des espèces de chantiers et on sait pas trop quoi. Ouais, c'est dans ces jardins là souvent qu'on voit des petites maisons baraques un peu anciennes. Où on peut rentrer dedans souvent. Pas tant doute, mais dans pas mal d'entre elles. Et puis... C'est là qu'on va trouver des... Des coffres. Ouais, juste ici. On va s'arrêter là après ce coffre là, ce sera bien suffisant. Non, véhicule cassé. Ok, d'accord. On peut même pas y aller en fait, hein. Et dès qu'on s'écarte, hop, ça redevient tout beau. Ça s'inscrit bien dans le paysage. Bon, allez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao.